Protagonista, Radio Kepta. Yo, Radio Kepta, de balaclava, my Kalashnikov in a glass of vodka. La bomba, a postcard from Moldavia, Moldavia! Yo, avrai sogno, mai come lo tocco, quel che ti fa che al cobro. Oh, storia desco, i piacchi secco, il copico. Bonjour, bonjour. Donc, est-ce que tu peux présenter ton projet? Oui, alors, donc moi, je m'appelle Anja Vialko, je suis traducteur de Storvi, qui est le petit pays oublié de la map monde. C'est un pays qui était riche de culture et qui aujourd'hui a été volé par la dictature du général Kafchen. Alors, nous avons décidé de faire une ambassade alternative de la Storvi en quittant le pays. Nous sommes des centaines d'exilés storviens qui parcourent l'Europe pour alerter la communauté humaine de ce qui se passe dans notre pays, mais aussi pour partager la culture et montrer la richesse des partages, d'échanges, la réciprocité, et l'émancipation et la liberté. Quelles sont vos armes pour, entre guillemets, pour défendre vos idées? Eh bien, la première arme, c'est le langage, puisque nous sommes de culture de voix orale. Alors, parler et échanger, pour nous, c'est la première des armes. Après, nous avons aussi la chance d'avoir des dissidents d'Orviens qui ont fait des choses de la culture pour partager. Alors, il y a d'abord le film Sorgoï Prakov, qui est un film qui est daté de 2013 et qui est réalisé par Sorgoï, qui était le journaliste d'Orviens et qui a débarqué en Europe pour faire le documentaire de rêve européen. Malheureusement, son histoire est un petit peu triste parce qu'il est devenu fou. Il a tué beaucoup de monde. Donc, ce n'était pas le premier rapport engageant entre l'Occident et notre pays. Mais depuis, il y a d'autres dissidents, comme par exemple Storviatesco. Storviatesco, c'est le groupe de musique de électro-fluo, trasho, hippie-hopo, qui fait les concerts ici au FEFS. Le FEFS, qui est le Festival Européen des Films Fantastiques, qui va faire ici le concert le samedi soir pour la clôture du festival, pour parler de la Storvi et échanger avec cette belle ville de Strasbourg qui a été très accueillant avec les dissidents d'Orviens et qui a permis de pouvoir travailler la clandestinité. Est-ce que vous avez l'intention d'étendre votre révolution dans d'autres pays ou d'autres villes? Alors oui, nous avons pour l'instant la Brace Storvia Connection, c'est-à-dire la connexion entre le pays de la Bretagne et le pays de la Storvie, qui a beaucoup de jumelages, parce que nous sommes allés en Bretagne, de l'Orient, de Terrien, de rencontrer les gens, même les Tomahawk, qui étaient nos amis, nos frères et sœurs d'armes. Et puis, il y a aussi toute l'activité parallèle de la Storvie, puisque le Wiki Storvia, qui est en ce moment de l'écriture, donc qui est pour mieux comprendre le pays, d'où vient ce pays et où il voudrait aller, hein, puisque c'est l'enjeu de nous, notre lutte. Il y a bientôt aussi le carnet de voyage de Storvia pour continuer à découvrir le pays. Et puis après, il y a toujours Storviatesco qui fait les clips, qui fait les films documentaires, puis qui va faire les tournées, puisqu'il a maintenant le camion-bus qui s'appelle le Fix Truck, et nous avons acheté le camion scène, c'est-à-dire c'est la scène qui fait le camion que nous peut faire la musique dedans pour continuer le voyage un peu partout dans les villages, dans les champs, dans les prairies, pour changer de la grande salle. Voilà. Et pour toutes celles et ceux qui ne peuvent pas aller là où vous vous rendez, comment vous pouvez voir le film? Il y a un support, il y a oui, c'est diffusé quelque part. Je vais même vous montrer.
D'accord. Alors, ici, il y a le Blu-ray de Sorgoï Prakov. Et donc, c'est le Blu-ray avec le film Sorgoï Prakov qui a été réalisé en 2013 et aussi un autre film d'un réalisateur qui est de Strasbourg qui s'appelle Rock Brenner, comme le catcheur. Et en fait, donc, il a fait le film sur la personne qui a réalisé Sorgoï Prakov, Raphaël Cherkassky, qui est encore un autre ami de la Sdorviv. C'est une association des amis de la Sdorviv libre, voilà, qui fait partie de cette association, Kival. Et donc, vous pouvez trouver le film déjà de Blu-ray sur les différents sites comme Metaluna Store, qui est à Paris. Mais à partir du 1er décembre, il est aussi sur les différentes plateformes de VOD, qui sont Outbuster, Shadows, Filmo TV et Frixon. D'accord. Donc, pour voir le film. Voilà. D'accord. Est-ce que je peux t'offrir une carte de notre association? Mais oui, moi, je vais offrir pour Voilà. toi aussi une carte. Regardez, ça, c'est les cartes qui sont Braze Dornia Connection. Donc, tu as les cartes de toutes. Il y a même les amis de la Bretagne qui sont venus nous faire le coucou. Voilà. Et donc, nous fait la connexion. Bientôt, Voilà. les Strasbourgeois. C'est la carte de l'association Free Modern Film. Donc nous on fait la promotion du cinéma de genre. Est-ce que tu as un mot pour toutes les structures associatives, les petites structures indépendantes qui luttent pour un cinéma indépendant et on va dire en dehors des structures institutionnelles, voilà, enfin un autre type de cinéma. Alors, déjà, merci beaucoup d'interviewer. J'ai fait la vitrine de Three Mothers Film. Désolé pour la prononciation, je filme mieux le français que l'anglais. Alors, d'une manière générale, nous aussi, nous sommes la lutte pour la convergence vers le cinéma libre. Ça veut dire que tout le monde peut faire le film, que tout le monde a le téléphone maintenant dans la poche. Alors, plutôt qu'aller sur le TikTok pour faire la merde, peut-être prenez le téléphone, peut-être faites des découpages, des séquences et filme tes amis pour créer une histoire parce que le cinéma a besoin d'histoire. Et si toi tu ne fais pas l'histoire, c'est l'histoire qui va faire ton cinéma à toi. C'est dommage, non? Alors, fuck Marvel, fuck aussi DC, fuck Marvel DC et DC nous fait l'amour au cinéma indépendant, le cinéma libre et la liberté n'a pas de prix. D'ailleurs, on peut faire le cinéma pas cher. Voilà, gros bisous. Merci.